Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine. Alors je suis pas dans mon fauteuil aujourd'hui, je me suis mis à table pour voir si ça va un peu mieux parce que j'ai toujours beaucoup de choses à vous montrer et du coup je serai peut-être plus à l'aise sur ma table que dans mon fauteuil. On verra si ça marche ou pas. Du coup là c'est pas le grand pied que j'ai sur mon téléphone, c'est le petit. Alors j'espère que ça ne va pas trop bouger. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez bien de cette façon-là, ou si vous me préférez dans mon fauteuil, ou si vous en fichez complètement. Pourquoi pas? Alors, le journal créatif, pour ceux qui ne connaissent pas, je réexplique à chaque fois en début de vidéo. Toutes les semaines, donc vous avez la vidéo le dimanche, moi je la filme le samedi soir. Et donc, toutes les semaines, je fais une récap de tout ce que j'ai fait dans la semaine, niveau loisirs créatifs, plus particulièrement broderie, tricot, crochet, DP et autres loisirs créatifs, si j'en ai fait d'autres, si j'ai eu le temps d'en faire d'autres dans la semaine. Alors, aujourd'hui, on va avoir du DP, ça vous le savez, hein, c'est le suivi du DP du hibou. Il va y avoir de la broderie. Alors, il y a des entrées, il y a du fini, il y a les encours, voilà, et du tricot, voilà, et le crochet, bien sûr. Tricot, il y aura un petit truc spécial que je vais vous montrer. Mais bon, je vous en reparle. Alors, d'habitude, ça y est, je commence. Voilà, Fifi, il fallait s'y attendre hein, sur la table. Je savais qu'elle allait venir. On va mettre le DP là pour pas qu'elle aille mettre les papates dessus. Biou. Alors, le DP, ça y est. Mes objectifs de la semaine que je vous avais dit la semaine dernière, vous me voyez? Alors, oui, maintenant mon bébé. Maman, elle a besoin de son petit carnet magique. Alors, en tricot, j'avais prévu de faire 10 cm. C'est bien ça, attendez. Non, c'est pas cette page-là. C'est pas cette page-là. Ah, voilà, c'est ici. Commence bien. Alors, en tricot, j'avais dit que je terminerai le demi-devant de mon pull cache-cœur. Je ferai 10 cm sur le pull de chouchou, le débardeur. Je ferai 10 cm sur mon pull diamant. Alors, j'appelle le pull diamant parce qu'eux, ils l'appellent pull empiècement, ajouré, bon, c'est long. Et moi, je l'appelle le pull diamant parce que la laine, c'est de la laine diamant. Donc, je voulais faire 10 cm et en crochet, avancer ma couverture. Ma couverture météo. En broderie, je voulais faire ma semaine de ma broderie météo de jardin privé, celle avec les fleurs. Essayer de terminer mon mandala d'Isabelle Vautier. Faire au moins 200 points sur le sale de Julia Rose Cocon. Ma broderie maison météo, je voulais finir la porte et faire au moins une fenêtre. Mon black work, je voulais faire deux alvéoles. Ma grenouille de Sabine de poussière d'étoile, faire au moins 200 points et m'avancer et essayer de me remettre à jour sur mon calendrier de l'Avent. Voilà. Et le DP, bien sûr, donc faire 3 ou 4 cases et essayer de faire un DIY avec les papillons, les tiges qu'on met dans les plantes. Voilà. Et également, je voulais aussi avancer un peu la broderie perlée. Voilà. Alors, on va commencer par le DP, comme d'habitude.
Hop. Alors, je vais poser. En fin de compte, je ne sais pas si j'ai plus de place sous la table. Comme mes merci et mis. Hop, voilà. Voilà. Hein, elle a pris une bonne partie de la table. Oh là là, c'est pas grave. On y arrive toujours. Alors, faites pas attention, j'ai attrapé un petit bouton, là, c'est moche. Je retombe en adolescence. Mais je sais pas pourquoi j'ai attrapé un bouton là, mais en plus, il est énorme. Enfin, il est plus là, maintenant c'est sec. Mais du coup, on le voit. Bon, on s'en fout, hein. Ouais. Le DP. Ah, bien sûr, elle va se lever au moment où je vais vous montrer le DP. Ah, ben, elle change de place. Voilà où j'en suis. Vous voyez, il n'y a plus grand-chose à faire. Il est super beau. Il brille superbement. Vous voyez, il est vraiment top, top, top. Il a de beaux yeux. Alors, je ne sais plus quel... je ne sais plus lesquelles j'ai fait. Celle-là, oui. Celle-là. Oh mince, il y a une perle qui est tombée. Ça y est, je la remettrai. C'est pas grave. Donc, j'ai fait celle-là. Celle-là. C'est là qu'il y a une perle qui est tombée. J'ai dû en faire une ici. Je crois. Et j'en ai fait une autre. Ah, là. Celle-là. Voilà, donc j'ai fait 4 cases. Comme d'habitude, je vous voyais ici l'image du DP avec les numéros de cases qu'il me reste. Donc, il va me rester... J'ai tout noté. J'ai essayé de m'organiser au maximum aujourd'hui. Alors, de toute façon, comme d'habitude, je vous le remarque également à l'écran. Il me reste la case numéro 3, la 4, la 6, la 9, la 15, la 19, la 24, la 23, la 23, pardon, la 24, numéro complémentaire, le 27. On pourrait jouer au loto, hein. voilà. Donc, je vous laisse, comme d'habitude, choisir 3 cases. Alors, là, maintenant, il en reste 4, 8, 9. Alors, je vais le terminer, je pense, en 2 semaines. Voilà, encore la semaine qui arrive et la semaine d'après. Comme ça, il sera terminé. Donc, je vais vous laisser choisir. Alors, à votre choix, hein, vous faites comme vous voulez. 3 ou 4 cases. En sachant que je prendrai les 4 cases qui ont le plus de votes pour le faire. Voilà. Donc, vous avez vu ici ou ici, je ne sais plus. Vous avez vu la photo du DP et je vous ai remis également la liste des numéros à choisir. Donc, voilà, je voulais choisir. Donc, vous me mettez 4 numéros, 3 ou 4 numéros. Il y a ce Fifi, elle fait la faux folle. 4 ou 3 numéros du DP. Voilà. Alors, le DP, on en a parlé. Alors, DIY, Diamond Painting, les papillons, j'ai pas eu le temps. Franchement, j'ai pas eu le temps d'en faire. C'est pas grave, c'est partie remise. Hein, voilà. Alors, je vous explique pourquoi j'ai pas eu le temps. C'est lundi, oui, on est dit. Lundi, à 8h du matin, on frappe à la porte. 8h ou 8h30, je sais, enfin bon, on s'en fout. C'était les ouvriers pour faire toutes les fenêtres, tout ça. Et ils avaient frappé chez la voisine, mais la voisine, comme elle se lève à midi... pour qu'elle leur réponde, c'était... Alors, du coup, ils sont venus nous voir. Ils me disent, la voisine répond pas. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on fait vos fenêtres Du coup, on devait venir mercredi, mais du coup, si on est là, est-ce qu'on peut les faire? On a dit oui, hein. De toute façon, nous, on n'a pas d'obligation.
comment on travaille. Je suis à la retraite, moi je suis en invalidité, donc voilà, c'est pas, on n'a pas d'obligation. Donc, ce qui fait que lundi et mardi, nous sommes restés cloîtrés, chacun à notre bureau, parce qu'on n'a pas osé bouger, on a, pour pas les embêter, parce qu'ils étaient nombreux. Ils devaient être 8 ouvriers, je crois. Et c'était pour qu'ils puissent, ils sont nombreux, pour qu'ils puissent faire rapidement hein, les maisons. Ce qui avait quand même donc une, deux, trois, quatre fenêtres en haut, une en bas, une, et plus une porte-fenêtre à faire donc sur la journée. Donc ils étaient à 8 ouvriers. Donc moi, je suis restée à mon bureau à broder. Chouchou est resté à son bureau à faire du DP. Alors, il n'en aura jamais fait autant, autant d'heures sans s'arrêter. Enfin, on a fait une pause à midi, hein, quand même. Bon, nous, on ne mange pas le midi, mais comme les ouvriers ont fait une pause à midi, ce qui est tout à fait normal, bon, nous, on a un peu... J'ai surtout libéré Fifi entre les midis, parce que Fifi a passé, du coup, 2 jours enfermée dans la salle de bain. Ma pauvre mémère. Elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait, je ne l'ai jamais entendu miauler, elle miaule jamais, hein, pour ainsi dire. J'ai jamais entendu miauler autant. Ma pauvre. Mais je pouvais, c'était impossible que je la laisse gambader dans la maison. Il n'y avait plus de porte derrière. La porte devant était toujours ouverte pour que les ouvriers rentrent, sortent. Il n'y avait plus de fenêtre non plus. Donc il n'y avait que la salle de bain qui était sécurisée pour elle. Donc elle a passé 2 jours dans la salle de bain. Alors du coup, ce jour-là, ben, j'ai fait que de la broderie. Et le lendemain, ils sont revenus. Alors, ils sont partis, étaient... Alors, ils sont arrivés à 8h du matin, ils sont partis à 7h du soir. Même nous, hein, on n'en pouvait plus. Parce que ben, le bruit, là, tout, le froid, en plus, il ne faisait pas très chaud ce jour-là. Et le lendemain, ils sont revenus pour faire les finitions. Et bon, on s'est dit, les finitions, ça va aller plus vite, hein. Non, ça n'a pas été plus vite. Ils ont terminé, bon, si, ils ont fini 1 heure de, plus tôt, ils ont fini vers 6h du soir, en commençant à 8h du matin, pour faire les finitions. Mais un boulot nickel. D'une propreté, écoutez, c'était une équipe, c'est une société française, mais avec des ouvriers roumains. Donc, il n'y avait qu'un qui parlait français, donc c'était le chef des ouvriers. Mais alors, une équipe super sympathique, super propre. Ils nous ont tout bâché dans la maison. Il y a même le sol était bâché pour pas salir, enfin, pour essayer de ne pas salir, hein, mais bon. Ils ont tout nettoyé quand ils ont eu terminé. Donc, déjà le lundi, ils ont tout nettoyé. Et le mardi, ils ont tout renettoyé, passé l'aspirateur partout, ils ont lavé mon escalier, ils ont relavé les vitres. Mais alors, ah ! Et aujourd'hui, justement, les chefs, les grands chefs du bailleur, de la société, chefs de travaux, sont venus voir. Ils me disent, on vient vérifier le travail, s'il a été bien fait. Alors, je fais, nickel. Donc, ils étaient contents. Mais on est contents aussi que ce soit fini. À part que là, maintenant, donc lundi ou mardi, c'est le sablage de la façade. Après les gros travaux, ce sera fini. Ils vont rejointoyer mais à la suite. Hein. Dès que c'est sablé, ils vont enlever tous les joints. Et puis, il y a une équipe qui vient refaire les joints. Donc, ça devrait aller assez vite. Mais là, ça va nous ramener de la poussière, par contre. Mais maintenant, on a des volets. Donc, on ferme. Comme ça, on est tranquille. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on a perdu. J'ai perdu 2 jours, que je n'ai fait que de la broderie, sur une broderie seulement. Et du coup, ben, j'ai pas fait ce DIY en diamond painting. Voilà. Tout ça pour vous dire. J'ai passé 10 minutes à vous expliquer pour mes carreaux.
Puis j'ai eu rendez-vous chez mon dentiste aussi. Puis un autre truc, mais je sais plus quoi. J'ai mon arthrose qui me refait mal. Mais bon, c'est l'hiver qui arrive. Donc, niveau diamond painting, ben voilà, c'est tout. Ben, le tricot, je vais vous le montrer après. On va faire broderie. Alors, j'avais dit une broderie terminée. Je suis contente. Bon, par contre, du coup, on n'a pas eu le temps d'aller chercher un cadre. On fera ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, on verra, c'est pas urgent. Hop. Tadam, tadam. Vous devinez laquelle j'ai terminée? Alors, je l'ai faite justement le lundi. Je ne suis restée que sur cette broderie toute la journée, toute la journée, toute la journée. Du coup, je voulais absolument la terminer. La la la. Alors, celles qui ont mon Instagram ou celles qui sont sur mon groupe l'ont déjà vu, bien sûr. Voilà. Mon mandala d'Isabelle Vautier. Bon, là, il n'est pas repassé, hein. Mais de toute façon, je vous ferai une vidéo. Il n'est pas repassé. Et je n'ai pas passé le coup de séchoir non plus pour, voyez, pour enlever le petit point, le marqueur qui marquait le milieu. Là, je passe, ou même avec le fer à repasser, ça va partir. Je n'ai même pas besoin de sortir mon séchoir. Voilà. Et je vais ensuite donc la repasser. Je vais la stabiliser. Parce que justement, du coup, je dois vous faire une vidéo sur comment stabiliser sa broderie. Et c'est avec du tissu thermocollant. Donc, si vous vous rappelez, je l'avais eu chez Pandal lors d'un partenariat. Et justement, la boutique m'avait demandé, elle me dit, vous avez fait votre vidéo? Pas encore, j'ai pas fini ma broderie. Enfin, j'ai plein de broderies terminées hein, que je dois stabiliser, mais bon. Mais je voulais faire celle-là. Donc, je vous ferai une vidéo également comment stabiliser sa broderie. Donc, je le ferai avec celle-ci. Et je ferai l'encadrement. Je suis contente. Trop contente qu'elle soit finie. Regardez-moi ça. Les mandalas sont trop, trop beaux. Regardez, là, il y a un coin de mandala. Et celui-là. Bon, je vous mets dans ce sens-là, c'est pareil. Alors, lundi, ben, c'est ça que j'ai fait. Voilà, ici. Tout le mandala qui est là. J'ai fait ça lundi. Mardi, je ne sais plus ce que j'ai fait. Vais peut-être marquer dans mon carnet, je vais regarder. Mais là, lundi, j'ai fait tout. Enfin, non, il était déjà fait à peu près là. Ouais, à peu près là. Donc, j'ai fait tout ça lundi. Je suis trop contente de l'avoir fini. Donc, voilà. Un ouvrage de terminé. Alors, du coup, ouais, c'est ça. Et alors, du coup, mardi, j'ai fait. Ah oui, non, mardi, j'ai fait un petit bout de. Le mandala. Non, je l'ai terminé de lundi à mardi. Ouais, je l'ai fait sur 2 jours, la fin. Ouais, c'est ça. Je me demandais ce que j'avais fait. Dimanche, bah, j'ai rien fait. J'ai rien fait dimanche. Bizarre. Je sais plus. Bon, où j'ai fait un peu ma couverture météo peut-être. Ouais. Donc, une de terminée. Alors maintenant, alors calendrier de l'Avent. J'ai pas beaucoup avancé. Je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, je suis très en retard, hein, puisque je n'ai pas terminé mes cases et je n'ai pas commencé mes petits motifs. Alors, j'espère que je n'aurai pas oublié en faisant le montage de ma vidéo. Alors, je suis dans quel sens? Dans celui-là. De vous avoir remis la photo avant. Donc, voilà. Alors, j'ai dû terminer. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est là. J'ai fait un carré qui manquait ici, je crois.
Et après, j'ai repris ici. Voilà. Mais j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Je pense pas que je vais l'avoir pour ça. Pour ce Noël, à la vitesse où je vais dessus, mais bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, bon là c'est moi qui l'organise, c'est un sale, mais comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, hein. Voilà, donc là on va pas en parler plus longtemps. Donc j'en ai qui ont terminé leur structure, qui ont terminé la première semaine avec les motifs à l'intérieur des cases. Donc, normalement, aujourd'hui, le 1, le 2, le 3, le 4 doivent être faits. Le jour 1, 2, 3, 4. Moi, j'en suis encore très, très loin. Donc, c'est... alors, est-ce que j'ai le dessin ici? Je ne me rappelle plus, je crois. Oui. Alors, le 1, c'est la petite maison. Le 2, voilà, c'est la petite moufle. Et cette semaine, on devait faire l'étoile ici et le petit renard. Voilà. Bon, moi, je n'y suis pas encore. Mais bon, j'y arriverai. Je ne m'affole pas. Je ne m'affole pas. Alors. Alors, pour vous dire que j'ai pas pu faire grand-chose, j'avais un unboxing à vous faire cette semaine, j'ai même pas pu. Je vais le faire cette semaine. Et le problème, c'est que je filme souvent mes unboxings en haut. Vous aviez vu hein, l'autre jour que j'avais commencé à ranger mon atelier, enfin ma pièce en haut. Ben, je peux tout refaire. Du coup, il a fallu faire de la place pour les ouvriers. Du coup, groupir dans un coin. Alors du coup, il faut que je refais mon atelier. Oh, c'est pas grave. Ensuite, alors... Oui, j'ai avancé. Alors, j'ai pas encore fait mes 1000 points du mois, de ce mois-ci. Hein. De toute façon, le mois n'est pas terminé, hein, donc ça va. Je ne suis pas en retard. Mais j'ai avancé. Voilà, le sale de Julia Roscocon. Donc, c'est le hall de... Ah, j'ai pas remis le nom. Je vous le remets là, si j'oublie pas, c'est le de la marque Old Forest. Donc, je sais plus si vous avez vu l'arbre la dernière fois, mais j'ai fait aussi ce feuillage et le petit écureuil. Voilà. Donc là, j'en suis à... euh, 11% 41, voilà. J'avais fait 287 points, soit en tout j'ai déjà fait 1440 points. Donc pour ce mois-ci, il me reste un peu plus de 500 points à faire pour être dans les clous. Donc c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'aime beaucoup le faire, il est vraiment très très joli. Donc moi je le fais en DMC simple. Le modèle original, c'est des fils avec des variations. Donc il y en a qui le font avec les fils d'origine, il y en a qui le font avec des fils variations DMC. Et il y en a qui font comme moi avec des fils DMC normal, enfin tout simple. Voilà, moi j'ai choisi de le faire en tout simple. Et c'est tout aussi bien. Voilà. Donc je suis à jour, on va dire. Là, il me reste moins de 500 points. Enfin, non, un peu plus de 500 points à faire. Donc c'est très bien.
je vais le mettre là, je remettrai dans le sac après, ce sera plus simple. Ensuite, ça c'est quoi? Oui. Alors, je suis à jour. Je commence à être un peu plus à jour sur mes objectifs. Alors, celui-ci. Bon, il est sur son tambour. Hein. Le voici. Donc, c'est la broderie météo de jardin privé. Donc, ça, c'est le modèle de l'année dernière que j'ai adapté à cette année. Là, je suis à jour, hein, vous voyez. Donc, à l'heure où vous voyez la vidéo, on est dimanche. Moi, je filme, on est samedi. Mais mon dimanche est déjà brodé. Alors, j'ai des copinettes qui me disent, oh, tu triches, comment tu fais? Mais bon, je vais juste sur les prévisions météo sur Internet. Et puis, voilà. C'est vrai que nous, dans le Nord, les températures qui sont dans les prévisions sont toujours à peu près à 1 degré ou 2, à peu près bonnes. Il y a des régions comme une copinette de mon groupe disait, elle est du midi, et des fois il peut y avoir un grand écart entre les prévisions et puis ce qu'il fait réellement. Mais nous, dans le Nord, ça va. Donc voilà, je suis à jour. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai encore un... Alors, je crois que j'ai le dessin, là. Je commence à être tout chiffonné. Alors, moi, j'en suis arrivée là. Donc, je suis sur la deuxième fleur, ici. Vous voyez? Donc, j'ai encore cela à faire. Et puis, après, il y en aura encore là. Et les petits motifs ici, l'échelle, oui, excusez-moi, je mets l'échelle de température. Alors, je sais pas si je vais faire l'échelle de température, moi, ça me, j'ai pas trop envie. Du coup, je sais, je vais peut-être faire un autre motif sur le même thème, hein, du jardin, ou je vais voir. Mais moi, j'ai pas trop envie de faire là le truc des températures. Je sais pas. On verra. Et là, alors, soit on peut marquer le nom de sa ville. Donc, je mettrai peut-être le nom de ma ville. Ou alors, au lieu de marquer projet météo, marquer jardin météo. Oui. Un truc comme ça, si je mets pas le nom de ma ville, parce que je sais quand même où j'habite, hein, donc. Donc ouais, je vais peut-être marquer jardin météo, ou... ça sera tout aussi bien. Mais voyez, bon, là, donc je suis là, et il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah 10 fleurs, voilà, pour arriver à la fin de l'année. Voilà. Donc, je sais pas, je vais voir le petit motif que je pourrais mettre là. Je souhaite que je vais m'en faire un. Ou peut-être mettre un chat. Pourquoi pas un petit chat. Je sais pas. Je verrai bien. Si vous avez des idées, dites-moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Voilà. Là. Alors, je vous remettrai en barre d'infos quand il y a des liens, des articles, des fiches de broderie ou des fiches de tricot ou quoi. Je vous remets tous les liens comme d'habitude en barre d'infos. Je vous remettrai également le lien pour avoir ces pochettes-là. Donc ça, c'est les grandes, les pochettes A3, qui sont très utiles quand on a des cuisses-nappes. Ensuite, ça, oui, croix, croix, croix. Vous avez compris?
c'est ma petite grenouille. C'est ma petite grenouille. Hop. Alors, je vais sortir le dessin pour vous le montrer. Donc, voilà. Le modèle que je brode, vous le connaissez, hein, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est la grenouille de la boutique Poussière d'étoiles, donc de Sabine. Donc, c'est une 130 sur 130 points. Et j'ai bien, enfin, j'ai bien avancé, oui, j'ai bien avancé. Qu'est-ce que j'ai fait sur ma grenouille? J'ai fait 301 points. Il est très important le 301. Donc j'ai fait 16% 55 en tout pour l'instant. C'est-à-dire 1554 points sur 9390. Il y en a encore à faire, hein, vous me direz. Alors c'est dans ce sens-là. Voilà. Donc il a son petit aimant. Qui va avec, et donc voilà, j'ai surtout avancé cette partie là et ici aussi un petit peu. Alors par contre ici je me suis arrêtée, vous voyez il y a mes fils, je me suis arrêtée à cette ligne là parce que je sais que j'ai fait une erreur, mais pas moyen de la trouver. Donc j'ai, ce jour là j'ai dit allez, on pose la broderie. J'ai juste changé de côté, j'ai été brodée de ce côté là. Et quand j'ai fini ce morceau-là, j'ai dit, allez, je pose. Je reverrai, je la ressortirai cette semaine à tête reposée. Je vais bien regarder, bien compter mes croix. Je crois que c'est juste un décalage d'une croix ou deux. Et puis, voilà, je corrigerai ma petite erreur et je le reprendrai. Mais quand c'est comme ça, je regarde une fois, deux fois. Si au bout de cinq minutes, je n'ai pas trouvé mon erreur, faut que je pose, faut que je le pose, que je l'abandonne un jour ou deux, et je le ressors, et les idées sont plus fraîches, et c'est là que je retrouve mon erreur. Donc, mais bon, il doit, je vous dis, c'est juste ici, au niveau de la dernière ligne, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est juste au niveau de la dernière ligne, j'ai décalé, je vous dis, j'ai dû décaler d'une croix ou deux. Et en plus, bon, là, sur cette partie-là, vous voyez, il y a deux couleurs, mais les deux couleurs se ressemblent beaucoup, beaucoup. C'est deux couleurs très claires. Donc, c'est pour ça, mes yeux étaient fatigués, et puis j'ai dit, bon, je pose. Donc, cette semaine, je vais ressortir, et c'est tout, hein, je vais la trouver, mon erreur. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai avancé ma grenouille. Hop. Ensuite, ça je vous l'ai montré. Ah. Oh. Alors, ici. Ça, c'est mon salle. C'est mon salle météo, la maison météo 2024. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, celles qui ne connaissent pas, c'est une broderie que j'ai dessinée moi-même. Et c'est un salle que j'organise également moi-même. Il est entièrement gratuit. Donc, si jamais, bon, il est encore temps hein, de vous inscrire, il n'y a pas de problème. Le principal, si vous inscrivez, il faut que vous ayez terminé, voyez le dessin, je vous l'ai mis, il faut que vous ayez terminé pour le 31 décembre toute la structure de la maison. Au moins, enfin, toutes les fenêtres, hein, déjà, les fenêtres, la porte. Parce que, bon, après, si jamais vous avez du retard, mais vous pouvez rattraper après en faisant après le toit, les petits décors en bas, voilà. Mais le principal, c'est de finir au moins les fenêtres pour le 31 décembre, parce qu'à partir du 1er janvier, dans chaque fenêtre, une fenêtre, c'est une semaine, et donc une vitre, il y a 7 vitres par fenêtre,
Et donc, une vitre, c'est un jour. Voilà. Et du coup, ça, vous en avez besoin à partir du 1er janvier pour broder les températures journalières que l'on aura tout au long de l'année. Voilà. Donc, si jamais vous voulez le faire et que vous n'avez pas encore la grille, vous me la demandez soit par email. Mon email est en barre d'infos. Voilà. Ou alors, vous venez vous inscrire sur mon groupe. L'adresse est également en barre d'infos. Et là, le fichier est accessible gratuitement directement sur mon groupe. Voilà. Ah, si vous venez vous inscrire sur mon groupe, pensez à répondre aux questions. Il y a trois petites questions. Alors, pourquoi vous venez sur le groupe? Enfin, je ne les ai plus dans l'ordre, mais pourquoi vous venez sur le groupe? Quelle activité les deux fils que vous faites, hein, tricot, crochet, etc. Et d'accepter le règlement. C'est très important que vous le fassiez, que vous répondiez aux questions quand vous venez sur le groupe. Parce qu'on est toujours en train de faire le gendarme. Il y a des faux comptes qui viennent s'inscrire. Il y a des personnes qui viennent s'inscrire juste pour mettre des liens d'arnaque ou des choses comme ça. Donc maintenant, on est très, 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 très vigilant aux personnes qui viennent s'inscrire. Et celles qui n'ont pas répondu aux questions, ben là, on vérifie à fond enfin, à fond. On vérifie le profil et tout. Et si on voit que la personne, ben, elle n'a pas besoin d'être dans notre groupe parce on voit qu'elle n'a aucun intérêt sur la broderie, le crochet, etc. Ben, on annule sa demande d'adhésion. Donc, si vous venez vous inscrire dans mon groupe, pensez à bien répondre aux questions. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de problème, on vous ouvre la porte. Bon, je vois que j'ai tout qui se détache là. J'ai mes petites. Alors, ces trucs-là, c'est bien et pas bien. C'est pas assez gros. Mais bon, vous voyez les petits trucs comme ça. Alors, voilà où j'en suis. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. Ça, je l'ai fait hier. J'ai juste fait le marron ici à l'intérieur. Voilà. J'ai rien fait d'autre dessus. Mais bon, au moins c'est une avancée quand même, hein. Je pensais pouvoir finir la porte, mais non. Donc ça, je l'ai fait vraiment, je l'ai fait hier, mais j'ai pas réussi à terminer ce que je voulais faire. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous le dis, hein. Vous voyez, ça s'en va à chaque fois. Donc c'est pas si top que ça. Voilà, l'autre est encore là. C'est pas top top. Bon, je vais juste rattacher comme ça, hein. Je le ferai mieux quand je sortirai pour la broder. Voilà. Hop. Non, c'est pas pour les quick snaps, c'est pas le meilleur. Mais bon. Donc voilà. Donc j'ai encore une fenêtre à terminer là, une là. Et donc j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 11, 12, 13, 14, bon, on va dire 15, 16, sur 52 fenêtres. Non, 51 fenêtres et après il y a la porte. C'est ça, je crois, je sais plus. Non, 52 fenêtres. Oui, 52 fenêtres, je crois. Même moi, je ne sais plus. Il m'en reste. Entre 35 et 40 à faire, je sais plus compter. Enfin, il m'en reste encore un paquet à faire. Voilà. Donc, si vous voulez le faire, il est encore temps de vous inscrire. Pas de problème. Sans je vous dis, la grille est vraiment elle est entièrement gratuite. Est-ce que je vous ai tout montré? Donc ça, non, je ne vous ai pas montré ça. Mais alors, celle-là, je l'ai faite aujourd'hui. Je l'ai faite cet après-midi. Et celle-là, quand je suis dessus, j'ai du mal à m'en détacher. C'est mon blackwork. Mon blackwork, alors le titre, c'est
Non, il est où le titre? J'ai perdu le titre. Ah, il est là. Le The Steady Trader. Voilà. Donc, c'est sur un groupe Facebook. C'est un groupe anglais, je crois. Alors, là, on arrive... ils sont en train de donner les fichiers des derniers... enfin, derniers, il en reste encore. Alors là, on a eu cette semaine le 42. Voilà. Et ça va jusqu'au 49. Donc, 42... Non, on n'a pas eu 42 cette semaine. Qu'est-ce qu'on a eu? Je ne sais même plus. Il est où? Il est là. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Enfin, si, je sais ce que j'ai fait, mais... Blackwork... Si on a eu jusqu'au 42, mais alors attendez, il y a un truc ah non, c'est bon, je suis en train de me dire comment j'ai fait pour faire le 48 alors qu'on vient seulement d'avoir le 42. Non, non, c'est bon. Donc là, cette semaine, on a eu 42 et il y a 49 alvéoles, 42, 43, 44. Oui, je compte sur mes doigts. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Encore 7. On a encore 7 semaines à avoir. Alors, je pense, ouais, 7 semaines à avoir un fichier. Donc, pour une alvéole. Donc, ça va aller jusqu'à la fin de l'année, hein, normalement. Alors, par contre, maintenant, s'il y en a qui sont inscrits sur ce groupe pour faire les alvéoles, la créatrice maintenant a mis un code pour que l'on puisse. Alors, le code, il faut aller voir sur le groupe. Hein. Ça, je ne donne pas le code ni rien sur ma vidéo. Hein. Vous comprendrez pourquoi après. Maintenant, il y a un code pour avoir accès au fichier. Parce que, alors, je trouve ça dégueulasse. Il y a des personnes, une ou des personnes qui ont récupéré les fichiers, bien sûr, mais qui les vendent, qui se sont mis à les vendre. Donc, ben, du coup, la créatrice a mis Léola, parce que là, elle l'offre gratuitement en plus. Après, il sera en vente hein, sur sa boutique, mais pour l'instant, il est offert gratuitement. Pour ceux qui veulent faire le sale, donc sur son groupe, et ben, y en a qui ont pris les fichiers et qui les vendent, tout simplement. Voilà. Que voulez-vous ? C'est le monde de maintenant, ça. Mais bon. C'est pour ça, moi, je vous dis, moi, le mien, c'est pareil, je le donne gratuitement. Mais si jamais un jour, vous le voyez passer, quelqu'un veut le vendre ou quoi, ou le donne en disant que c'est ça vient de que c'est elle ou lui qui l'a dessiné, surtout prévenez-moi tout de suite. Voilà, je l'ai fait en tant qu'amateur, mais c'est pas une raison. On n'est pas là pour se faire voler notre travail non plus, hein. Voilà, mais bon, je trouve ça dégueulasse. Donc maintenant, pour télécharger depuis cette semaine, pour télécharger les fichiers, ben, il faudra mettre un code. Donc voilà où j'en suis. Alors aujourd'hui j'ai fait ça. Alors j'en ai fait 6. D'habitude j'en fais 2, 3. Là j'en ai fait. J'arrivais pas à m'arrêter cet après-midi. J'ai fait ces 6 là. Voilà. Je vous les montre de plus près. Mais c'est vraiment super, super agréable à faire. J'aime beaucoup. Alors, des fois, je me demande si j'ai choisi les bonnes couleurs. Mais non, ça va. De toute façon, au niveau couleur, tout ça, on était libre hein, de faire ce qu'on voulait. Donc, là, vous voyez. Alors, là, c'était une violette avec le cœur rose. Là, c'était une rose avec le cœur violet.
Aujourd'hui, j'ai fait rose, donc le cœur sera violet. Et celle-ci, vous voyez, elle sera violette, voilà, tout autour, avec un cœur rose. Alors ici, je pense que je vais faire violet, ces trois-là également. Là, on sera, donc là, celui-là va être bleu. Celui-ci va être bleu. Et du coup, alors là, il y en a les deux ici en bas, ils seront roses. Et les trois qu'il y a là et les trois qu'il y a ici seront violets. Voilà. Ouais, je vais faire comme ça. Ça fait qu'en bleu, il y a celui-ci, bleu, celui-là, celui-là. Et il y aura celui-ci ici et ici. Voilà. Donc c'est assez symétrique ce que je fais, voyez. Mais j'aime beaucoup. Alors, au niveau de l'encadrement, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, ce sera un carré, ça c'est sûr. Un cadre carré. Mais bon, je pense que je ferai. Alors, je ne sais pas si je vais. La toile était crue, elle est blanc cassé et crue. Donc faire un cadre blanc, ça ne va pas trop le faire. Je pense que je vais le mettre dans un cadre noir. Voilà. Je vais mettre dans un cadre noir avec un passe-partout noir également, je pense. Pour rappeler le tour des alvéoles. Voilà. Toujours avec mes petits aimants de Sabine, hein, de poussière d'étoile. Alors là, pour celles qui n'auraient pas vu avant, normalement, on devait broder toutes les feuilles ici autour. J'avais commencé, ça m'a pris le chou, pas d'autre mot, ça m'a vraiment gavé. Et du coup, j'avais pas fait grand-chose. Hein. J'avais dû faire ici une petite partie, je crois, je ne sais plus. J'ai démonté. J'avais même fait ici en haut un début d'abeille. Je l'ai démonté également parce que ça m'a pas... Ça me prenait le chou. Et moi, j'ai cousu tout autour un petit galon en forme de feuille. Voilà. Donc, c'est pas du tout symétrique. Hein. Là, ça passe même sur les alvéoles par moment. Là, par contre, je regrette de l'avoir cousu tout de suite. Parce que maintenant, pour broder, par moment, c'est assez chaud. Vous voyez, comme celle-là, par exemple. Il a fallu que je la soulève et tout pour broder. Donc, mais bon, ça va. Et j'ai mis des petites fleurs comme ça. Ça, c'était des fleurs d'action. Voilà. J'aime beaucoup le faire. Donc, j'en ai un autre à faire qui vient d'un autre groupe, d'une autre créatrice. Il est terminé hein, par ce salle-là est terminé. Mais j'ai toutes les. J'ai imprimé tout. Enfin, j'ai enregistré tous les fichiers. Et donc, je le ferai par la suite. Alors, les couleurs que j'utilise là en ce moment. Ah, ben le rose, j'ai plus l'étiquette. Mince. Le violet, c'est 155. Et le bleu, donc c'est un bleu turquoise, vous voyez. C'est 38,46. Mais le rose, je ne sais pas, j'ai plus l'étiquette. Je ne sais plus ce que c'est. C'est un rose. Donc, voilà. Niveau broderie, ben, je crois que je vous ai tout montré. Non, ben non, je ne vous ai pas tout montré. Excusez-moi, j'ai dû couper un tout petit peu parce que, comme vous le savez, j'ai des douleurs à la langue et là, je parle. Du coup, ça se réveille un petit peu. Du coup, je vais me chercher un petit bonbon à la menthe.
Donc, désolée si vous me voyez manger un bonbon, mais c'est pour atténuer ma petite douleur. Alors, ensuite, demain, enfin aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre. Et qu'est-ce qu'il y a le 15 octobre? Eh bien, c'est le sale mystère animal aquarelle de Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. On en commence nos premières croix. Donc, à l'heure où je vous à l'heure où vous voyez la vidéo, normalement, on aura téléchargé la toute première grille, la première étape. J'ai tout préparé tout à l'heure. Enfin, j'avais déjà préparé mes fils. Hein. Mais j'ai préparé ma toile. Alors, je vous remontre pour les fils. Donc, voilà. J'ai tout préparé. Dans une boîte DMC. J'ai mis mon petit ciseau. Comme ça, je ne cherche pas après. Hein. Alors, celui-là, on l'avait eu également. Dans une box, je crois, à Sabine. Voilà. Mon petit enfil-aiguille. Puis, si j'ai besoin de petites choses, je rajouterai dans la boîte. Alors, les couleurs sont magnifiques. Regardez. Trop, trop beau. Donc, ça va se faire en... Combien d'étapes? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 10 étapes, voilà. Donc, on a commencé nos premières croix aujourd'hui. Mais bon, à l'heure où moi je filme, je ne les ai pas encore commencées puisqu'on est samedi. J'ai préparé ma toile, voilà, avec le dernier petit aimant. C'était un aimant surprise qu'on avait eu dans une box. Voilà. Donc, j'ai préparé, j'ai marqué mon milieu. J'ai préparé sur un cuisnap. Moi, c'est une étamine, bien sûr. Ma toile est surjetée, pour une fois. J'ai surjetée. Et j'ai protégé, enfin, j'ai mis de la feutrine entre la toile et mon cuisnap. Pour protéger ma toile et également par facilité pour la retirer. Bon, là, je ne vais pas la retirer parce qu'elle est bien tendue et tout. Elle est prête. Donc, je ne vais pas le démonter. Mais voilà, tout est prêt. Pas bouger. Et je me suis sortie. Alors elle est où? Ah, elle est là. Une broderie du dimanche soir. Broderie sans prise de tête. Alors je ne vais pas la montrer en entier. C'est une spring. Donc c'est une estampée. Et c'est pour ça que j'avais envie de me sortir une broderie estampée, malgré que je n'en fais, pour ainsi dire, plus. Mais je voulais un truc sans prise de tête pour le dimanche soir. Et du coup, bah, je me suis sorti ça. Je l'ai commencé. Alors, je ne vous en montre pas plus, hein, parce que je veux vous découvrirez au fur et à mesure quel modèle j'ai choisi. Alors, vous voyez, derrière, hop, là, il y a une bouclette. Hein, je sais pas, j'ai fait un nœud, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, le dimanche soir, je vais me faire ça, un petit peu à la fois. Et puis, alors, c'est une grande broderie, mais c'est un partiel. Donc, ça va. Je mettrai peut-être un an, même 2 ans s'il faut pour le faire, je m'en fous. C'est vraiment une petite toile récréation que je me suis sortie comme ça. Voilà.
Alors, y en avait deux que, sur lesquelles j'hésitais. Bon, j'ai pris celle-là en premier. Mais peut-être que je sortirai une autre, faire un dimanche sur deux, par exemple, je verrai. Mais ça, je ne la brode que le dimanche soir. Voilà. Donc, niveau broderie, bah écoutez, on a terminé. Hop. Je le mets là. Parce que je veux pas que vous voyez le modèle, du coup. Niveau tricot. Alors, on va commencer par la couverture météo. Alors, la couverture météo, qu'est-ce que j'ai fait? Fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 10 jours. J'ai fait une dizaine de jours. Bon, ce que vous aurez compris que j'ai pas rattrapé mon retard encore, mais je m'en fous, j'ai fait une dizaine de jours quand même. Donc, ici. Donc ça, je vous rappelle que c'est ma deuxième partie hein, de couverture. La première partie a été faite du 1er janvier au 2 juillet, au 1er juillet, pardon. Et celle-ci a commencé le 2 juillet. Et quand elle sera finie, je vais réunir les deux parties. Parce que sinon, ça m'aurait fait une couverture beaucoup trop longue pour une largeur pas en adéquation avec la longueur. Voilà. Là, j'ai 200 mailles en largeur. Bien sûr, là, elle est pliée, hein. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, là, il y a 10 jours de crocheter. Toujours avec mon petit marqueur de pendale. Voilà. Donc, là, maintenant que vous avez vu. Si demain je tricote dessus, enfin je crochète dessus, je remettrai mon marqueur ici en haut pour vous montrer la semaine prochaine où j'en suis. Donc là, c'était la fin du mois de septembre, la ligne blanche. Et donc tout ça, non pas septembre, non c'est la, là c'est la fin du mois d'août, pardon, et là c'est septembre. Donc j'en suis arrivée au 13 septembre. Voilà. Presque à la mi au milieu du mois. J'ai avancé quand même. Hein. On va pas dire que j'ai pas avancé. Alors, l'idée que j'ai pour l'année prochaine me trotte de plus en plus. Donc, je vous en reparlerai au moment venu. Alors, je vais vous couper juste mettre en pause une seconde. Parce que j'ai Géry derrière. Il est dans son panier. Hein. Mais couverture, coussin, tout est sur le carrelage. Il est en train de dormir sur le plastique du panier. Je lui refais son dodo, j'arrive tout de suite. Voilà, je lui ai refait son dodo. Un toutou malheureux encore. Et mon petit blessé. On va pas le réveiller. Et Fifi. Elle fait dodo aussi. Vous avez vu, tout le monde fait dodo. Sont malheureux hein, à la maison. C'est les chiens et les chats les plus malheureux du monde. Alors, maintenant, tricot. Alors, j'ai un problème. Un gros problème. Sortir. Alors attends, je vais d'abord sortir celui-là.
Allez. Voilà, celui-là. Oh là 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 là. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus pratique sur la table. Voilà, vous vous rappelez. Alors, je vous avais dit, je ferai 10 cm. Hein. Ils sont largement faits, mes 10 cm. J'ai un problème. Mon problème, c'est que je suis arrivée... Alors, je devais arriver à... Je ne sais même plus où j'ai mis mon papier. Ah, il est là. Mmh. 34 cm pour les emmanchures, ça c'est bon. Et 58 cm après les côtes pour rabattre les épaules. Alors, le souci que j'ai, voilà, c'est là. Je suis arrivée à mes 58 cm. J'ai 4 fois 6 mailles à rabattre. Donc, 4 fois 6 mailles, ça me fait 8 rangs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il me reste normalement, donc pour le l'encolure cache-cœur, hein, il me reste 5, 10, 15 diminutions à faire. Et là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que comme il me reste 8 rangs à faire, et si de l'autre côté, il me reste 15 diminutions à faire, donc 15 diminutions, c'est sur un aller-retour, donc ça me fait 30 rangs. Donc, il y a un souci. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, hein, on va dire comme ça. Je ne sais pas. Pourtant, je coche, vous voyez, à chaque fois, je coche mes diminutions. Toutes mes diminutions, augmentations, enfin tout ce que j'ai à faire, je le note, je le coche. Et je me retrouve. Alors, je sais pas ce que. Pour l'instant, le cache-cœur va rester de côté. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le dos. Vous voyez. Ça, c'est le dos. Alors, on va mettre. Bon, je vais le mettre au milieu, hein, à peu près, pour bien le tenir. Voilà, je sais pas si vous voyez, bon, c'est mal mis hein, parce que comme c'est un cache-cœur, mais vous voyez bien que le dos et le devant, ils sont arrivés pour ainsi dire à la même hauteur. Donc, pour l'instant, je vais le laisser de côté parce que sinon, ça va me prendre la tête. Et puis, de toute façon, c'est un pull de demi-saison, mais de printemps, hein, printemps-été. Donc, c'est pas d'urgence. Je vais le laisser de côté. Je vais essayer de recalculer, ça va être chouette, hein, mais je vais essayer de recalculer combien de diminutions j'ai fait exactement tout du long. Je vais essayer de calculer ça, hein. De toute façon on le voit, ça fait un nœud à chaque fois. Hein. Je vais bien relire les explications, voir si je ne me suis pas plantée quelque part, ça se peut aussi. Voir ce que j'ai fait. Il y a une erreur quelque part, mais où? Mystère et boule de gomme. Donc, pour l'instant, je vais tout vérifier. Enfin, pas pour l'instant. Hein. Quand je dis pour l'instant, d'ici quelques jours, à tête reposée, je vais recompter, je vais mettre ça à plat. J'ai un tapis de mousse, vous savez. Je vais l'épingler sur mon tapis de mousse pour que ce soit bien tendu, bien droit, bien plat, pour moi compter, que je compte bien mes diminutions que j'ai faites. Parce que
Là, de toute façon, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, 6 et 6, 12. Vous voyez, normalement, déjà, il devrait me rester que ça de maille. Donc, là, il y a déjà un problème. Et là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, celle-là, c'est... Pourquoi j'ai fait un jeté, là? Bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alors déjà, là, il me reste 23 mailles. Alors, déjà là, c'est pas bon. Parce que s'il me reste 18, là, c'est 18 de l'épaule, d'accord? Mais là, il m'en reste 23. Alors que j'en ai 15 à diminuer. Donc, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 8 mailles en trop. Plus les 15 qui ne devraient pas être là non plus. Donc, il y a un gros problème quelque part, mais où? J'en sais rien. Donc, je vais recalculer ça, je vais voir. Alors, si vraiment je m'en sors pas, je vais le démonter entièrement. Je ferai... Je vais le démonter, le faire pour que la laine ne frise pas, hein, enfin plutôt qu'elle se défrise. Donc je ferai avec une bouteille d'eau. On m'avait dit hein, le mettre autour d'une bouteille d'eau chaude. Comme ça, la fibre, elle va se... Comment? Elle va se détendre. Et puis je le retricoterai. Je ne vois pas d'autre chose à faire, mais il faut que je trouve mon erreur. Mais pour l'instant, là, à chaud comme ça, non, je n'y touche plus pour l'instant. Voilà. Dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais recalculer. Puis je verrai bien si je trouve l'erreur. Et si je ne la trouve pas, ben, tant pis, je le démonte et puis je le referai pour le printemps prochain. Puisque là, bon, c'est pas un tricot qui est urgent pour l'hiver. Voilà. Bon, ce qui m'embête, c'est que j'espère que je ne vais pas abîmer ma laine. Parce que celle-là de laine, cette couleur-là, n'existe plus. On ne la trouve plus nulle part. Mais voilà. Bon, ça arrive, hein, mais c'est toujours embêtant. Donc celle-là, ben, elle est mise de côté pour l'instant. Et je vous en reparlerai le moment venu quand je la ressortirai. Alors si je trouve mon erreur entre deux, je vous le dirai. Mais si je trouve pas, bah, je vous le dirai aussi. J'ai pas trouvé l'erreur, je le démonte et puis on le refera après les fêtes. Mais voilà. Ah, c'est des choses qui arrivent. Que voulez-vous? Alors, mon pull diamant. Bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup avancé. Hein. Je voulais faire 10 cm, mais je ne les ai pas fait. Alors celui-là, alors pareil. J'avais une maille de sauter. J'ai eu un mal de chien à rattraper ma maille. Parce que voilà, la laine. Alors, je ne comprends pas. Quand j'ai fait le gilet, mais là, j'utilisais deux fils, donc des aiguilles plus grosses. J'avais pas de problème, ça n'accrochait pas ni rien. Et là, c'est la même laine, mais je tricote en un fil, donc en aiguille plus petite, aiguille numéro 3, si je ne me trompe pas, ou 3,5. Mais j'ai l'impression qu'elle accroche un peu plus sur mes aiguilles, pourtant c'est mes Knight Pro. Ça glisse normalement bien dessus. Bon, je continue. Je persévère, mais du coup ça avance moins vite.
Voilà. Donc c'est. Alors je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, peut-être là. Vous voyez, c'est rose guimauve. Et voilà. Alors je vous disais, j'ai eu du mal à rattraper la malle qui avait sauté, parce qu'en plus elle était sautée sur plusieurs rangs. Mais comme c'est une laine un peu fluffy là, vous voyez, ça s'accroche. Ça s'accroche bien. Et avec le crochet, j'ai eu beaucoup de mal à rattraper ma maille. J'étais à deux doigts de tout démonter aussi à celle-là. Mais bon, j'ai réussi. Bon, c'est pas net, 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 mais bon, c'est le dos, c'est tout dans le bas, ça se verra pas. Il n'y a que moi qui le porte. Mais voilà. Alors voilà où j'en suis. Voilà où j'en étais la fois dernière. Ici. Donc j'ai fait ça. Mais je vous dis, là, du coup, elle va beaucoup moins vite à tricoter que quand j'ai fait le gilet et avec la même laine. Donc, bon, je continue, hein, je persévère. On verra bien. Vous voyez, là. Vous voyez ce que ça fait? Alors en plus, je crois, j'ai l'impression que c'est une laine qui va vite boulocher ou feutrer. Et ça me fait peur. Ça me fait peur. Bon, le gilet, il est fait, ça y est. Mais quand je vois comment déjà ça fait ici en bas, vous voyez. Bah, j'ai peur que. Alors, c'est pareil, j'ai pensé le démonter. Bon, je ne veux pas perdre la laine, mais je pensais à le démonter et à le refaire avec une autre laine. Mais je ne sais pas. Je sais pas. Alors, je vais essayer encore de persévérer. Et puis, je verrai bien. C'est dommage, hein, parce que bon, là, vous voyez pas la vraie couleur, vous voyez gris. Mais là, voilà, là, vous voyez, elle est comme ça. Elle est très jolie comme laine. Elle est douce quand même et tout. Mais je sais pas, j'ai des doutes. J'ai des doutes. Je sais pas. À votre avis, alors, vous voyez, on le voit que ça. Ça fait les petits comme du petit mohair, hein, c'est ça. Alors, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Est-ce que je persévère? Est-ce que je le démonte? Puis je refais avec une autre laine, une laine équivalente. J'en sais rien. Alors, pareil pour le pull diamant. Donc celui-ci, donnez-moi votre avis. Alors le problème, c'est que moi, ça, après, ça va me foutre en l'air pour le tricot. Parce que le cache-cœur, bon, bah, il y a un problème. Je le mets de côté. Celui-là, je ne m'éclate pas. Voilà, c'est ça. Donc j'ai peur que ça va me dégoûter un petit peu du tricot pendant un petit moment. Donc voilà. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Vous persévérez ou alors bah, je refais avec une laine équivalente, mais plus facile à tricoter. Dites-moi. Parce que ce qui me fait peur encore plus, c'est quand j'arriverai, là c'est le dos, mais quand j'arriverai sur le devant et qu'il va y avoir l'empiècement ajouré. Mais j'ai l'impression que pourtant sur le modèle ils disent de faire avec cette laine là, mais sur le modèle, alors j'ai mis un petit j'ai pas l'impression que c'est la même laine et pourtant ils disent d'utiliser cette laine là. Ah non, c'est pas celui-là. Attendez, je me trompe. Il est où?
Bah alors. Ah, il est ici. Alors, une. Voyez? J'ai pas là, on dirait pas que c'est la laine diamant. Je vois pas de brillant dedans. Bon, là, elle est bleue, mais elle me paraît beaucoup moins fluffy. Et même le col. Je sais pas. Et pourtant, c'est bien fil diamant de fil d'art. Donc, je sais pas. Alors, dites-moi, est-ce que je persévère? Est-ce que je change de laine? Voilà. Du coup, bon, j'aurai cette laine-là, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais on verra bien. Mais dites-moi. Bon, pour l'instant, voilà où j'en suis. Bon, niveau tricot, cette semaine, ce n'est pas le top, hein? Alors, le troisième tricot. Là, par contre, j'ai bien avancé. Façon de ne pas perdre des mailles. Hein. C'est le débardeur à chouchou. Là, j'ai super bien avancé. Alors, je vous montre où j'en étais la semaine dernière. Ici. Voilà. J'en étais ici. Donc, j'ai fait tout ça. Il doit y avoir à peu près 15 cm, je crois. Peut-être un peu plus. Là par contre j'ai pas de problème. Bon, de temps en temps j'ai une maille qui se balade. Alors je vous avais dit la semaine dernière que j'avais une maille qui avait sauté, mais elle avait juste sauté, et je savais pas, j'avais envie de faire plutôt ma manière fainéante, c'est-à-dire tirer la maille sur l'envers et puis passer un très fin fil pour la bloquer sur l'envers. Bon, j'en ai qui m'ont dit, ouais, vas-y, fais comme ça. J'en ai qui m'ont dit aussi, non, je serai toi, je ferai la méthode du crochet. Voilà. Donc, je vous ai écouté, les filles. J'ai fait la méthode avec le crochet. J'ai remonté ma maille jusqu'en haut. Et puis, ben voilà. Donc, c'est très bien. Donc voilà où j'en suis. Alors, Chouchou, je fais, t'as vu, ton pull, il avance, hein, tu vois, c'est bien. Puis il fait ça, il touche la laine, il fait, ah, oh, ça va, c'est de la fine laine, j'aime bien. Ouf. Mais c'est un débardeur. Mais je l'avais commencé avant l'été, je crois, un truc comme ça, je voulais qu'il l'ait pour l'été. Et je dis, ouais, mais par contre, je dis, bon, il est toujours en jogging, hein, donc je dis, il va falloir que je t'achète des t-shirts à longue manche. Puis pourquoi? Je dis, ben oui, je dis, pour mettre le débardeur. Il me fait, c'est un débardeur. Il me fait, tu me fais un débardeur en hiver? Je fais, ouais, mais je l'avais commencé avant l'été. Alors, du coup, il pensait que c'était un pull avec des longues manches. Mais non, là c'est un débardeur. Mais bon, du coup, ça va aller vite, un débardeur. Là, je suis déjà à un bon quart du dos. Et après, si vraiment il veut un pull à longue manche, j'y en ferai un. Mais du coup, il faudra que ce soit avec une laine fine comme ça, parce que ça, il aime bien. Donc, voilà. Ça a avancé. Bah du coup, niveau tricot, c'est tout. Je vous dis, bah là, je vais changer de sac. Le cache-cœur, je vais le mettre de côté. Je vais voir ce que je vais faire. Et puis, je vous tiendrai au courant pour ça. Bah, je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Pas d'achat. Si, il y a des achats, mais je ne les ai pas reçus encore. Donc, je vous montrerai quand je les aurai reçus. J'ai craqué.
J'ai craqué le sac. Et en plus, à l'heure où je fais la vidéo, j'ai vu que sur Fildart, il restait une journée, un petit peu plus d'une journée. Ça doit être une journée et 2 heures. qui a des promotions sur le site Fildart. Les laines sont à 50%. C'est pas bien ça, faut pas que je regarde. Ben, je vous ai tout dit. Alors, j'ai pas fait de broderie perlée, du coup, j'ai pas pu. C'est pas grave, j'en ferai cette semaine. Et je crois que je vous ai tout dit. Ouais, tout est fait, tout est dit. Bon, les objectifs sont bons quand même, hein, cette semaine. Une broderie terminée, les autres bien avancées quand même. Donc, ça va. Alors, mes objectifs pour la semaine prochaine. En tricot, ben, on va avancer le pull à chouchou de 10 cm ou plus. Le pull diamant, ben, j'avais prévu de faire 10 cm, mais du coup, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Il est tard. Du coup, le cache-cœur, ben, il est mis de côté. J'en parle plus pour l'instant. Avancer ma couverture météo, ça c'est sûr. Et en broderie, alors, faire ma semaine de broderie météo de jardin privé, c'est avec les fleurs. Ma broderie météo de la maison météo, finir ma porte et essayer de faire une ou deux fenêtres, ou tout au moins de finir les deux fenêtres qui sont commencées. Ma broderie grenouille, bah refaire 200 points, hein, si c'est bon, si je trouve ma petite erreur. Bah, faire la première étape du sale mystère de Sabine. Donc, normalement, on a 15 jours pour faire la première étape. Donc, ça devrait aller. Le black work, bah, déjà finir celui que faire le petit cœur et commencer celui du bas. Donc faire deux ou quatre alvéoles. Oh là là. J'arrive, vous avez compris? Le pipi. Voilà, pendant qu'ils font leur petit pipi dehors. Donc je disais, oui, des alvéoles. Donc en faire deux ou quatre, on verra. Essayer de me rattraper mon sale du calendrier de l'Avent. et ensuite, en broderie, bon, on verra. Hein. Ce sera tout normalement. Faire aussi un. Mais ça, je compte pas dans les objectifs. C'est faire un petit peu de broderie dimanche soir. Voilà, sur mon estampé. Si je peux faire. Enfin, je vais essayer. Faire un peu de ma broderie perlée, voilà, et le DP, faire 4 cases, donc il en reste 9, donc j'aimerais bien en faire 4 cette fois-ci, et la fois prochaine il en restera 5 à faire, et comme ça elle sera terminée. Et si je peux commencer mon DIY avec les papillons. Donc peut-être en faire un ou deux, ou même si c'est 15, c'est rien. Soit il y en a 8 à faire. J'en fais un de temps en temps, puis c'est bon. Oh, la porte est ouverte. Il fait froid. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Maintenant, je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Donc, vos petites obligations. Dans les commentaires aujourd'hui, me mettre les 4 chiffres ou numéros que vous avez choisis pour le DP que j'aurai à faire. Me dire également ben, mon pull, mon
pull diamant. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que je fais? Je persévère, je continue à le tricoter ou je change de laine. Voilà. Je sais pas. Là, je suis vraiment. C'est dommage parce que la laine est vraiment très très belle. Mais j'arrive pas à la tricoter comme j'ai tricoté le gilet. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est peut-être parce que c'est avec des aiguilles plus fines, qu'il n'y a qu'un seul fil. J'en sais rien. Vraiment, là, je ne sais pas. Alors, donnez-moi votre avis. Ou alors, sinon, je vais carrément changer de modèle. Mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut hein, pour faire d'autres choses ou pour changer la laine de ce modèle. Mais bon, je verrai bien. Et le cache-cœur, bon, bah là, je ne vous demande pas votre avis parce qu'il faut que je trouve juste mon erreur. Voir s'il y a une erreur, voir s'il y a un problème. Ou alors, il y a peut-être un problème dans le patron, hein, pourquoi pas. Des fois, ça arrive. Hein. Par exemple, si je ne trouve pas d'erreur, c'est qu'il y a un problème dans le livre. Il y a une erreur dans le livre. Ça se peut aussi. Pourquoi pas. Donc, et non, 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 on rentre. Attendez, il commence à aboyer et 11h du soir, on n'aboie pas. Désolée pour cette petite interruption. Mon bonbon à la menthe, il pique. Ah, j'ai le feu. Donc voilà. Bah, écoutez, j'attends tous vos commentaires. Voilà, plein de commentaires, plein de petits pouces. Comme vous avez pu voir, j'en profite en même temps, juste 2 secondes, après j'arrête parce que je crois que la vidéo, là, elle est très longue. Vous avez pu voir dans la communauté, je vous ai mis un petit message. Le 12 novembre, c'est mon anniversaire, j'aurai 60 ans. Et donc, je pense que si vous êtes sage, il y aura des surprises. Voilà. Donc, dans un mois, un petit peu moins d'un mois maintenant, il y aura des surprises sur la chaîne pour mes 60 ans. Oh, un coup de vieux, hein. Allez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous.